أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، وكما تعلمون بيننا وبين شهر رمضان جمعة واحدة، يفصلنا عن شهر رمضان جمعة واحدة. وشهر رمضان أيها الأحباب الكرام ما فرضه الله سبحانه وتعالى علينا إلا لتحقيق مقاصد حددها العلماء في مقاصد اجتماعية ومقاصد تربوية ومقاصد نفسية. لذلك فالإنسان المؤمن أيها الأحباب الكرام ينبغي أن يستغل الظروف والنفحات التي فضلها الله سبحانه وتعالى على غيرها. فكما تعلمون فضل الله بعض البقاع على بعض، وبعض الرسل على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، وبعض الشهور على بعض، وبعض الأيام على بعض. يفعل ما يشاء كما يشاء أن يشاء ومتى يشاء سبحانه وتعالى في ملكه. فنحن أيها الأحباب الكرام فرصة تأتينا حينا بعد حين، فينبغي للإنسان المؤمن أن يوازي بين هذه الفرص ويختار منها خيرها، يختار منها خيرها، لأنه ما يدري لعل الزمن لن يدور عليه فيأتيه رمضان آخر. فالكيس هو الذي إذا طال الله في عمره حتى يصوم هذا الشهر فليعتبره آخر رمضان في حياته، ليس إياساً من رحمة الله، ولكن من باب توفير الجهد ومن باب تزكية النفس. Alors je disais, chers frères, chers sœurs, comme vous le savez, entre nous et le Ramadan, un seul vendredi, c'est le vendredi prochain, bien évidemment. Quelques jours alors, et nous voici avec le mois sacré. Et le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'avait prescrit, bien évidemment, pour atteindre des objectifs. Objectifs social, objectifs éducatifs, et ainsi de suite, on va voir ça en détail. Et le Ramadan, c'est parmi les occasions à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala tend sa grâce et sa miséricorde à ses compagnons, à ses serviteurs. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, fait ce qu'il veut comme il veut. Il a préféré certaines périodes par rapport aux autres, certains endroits par rapport aux autres, certains prophètes par rapport aux autres, et ainsi de suite. Et parmi les mois, Dieu subhanahu wa ta'ala a préféré le mois du Ramadan. Et il lui a donné
des grâces et des valeurs qu'il n'a pas données durant les autres mois. Alors c'est une occasion parmi nous, on doit en profiter. Et considérer surtout que peut-être ce mois du Ramadan, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala prolonger notre vie jusqu'à à la fin du Ramadan, de le considérer comme le dernier Ramadan de ma vie. Comme vous le savez aussi, il y a parmi nous, on avait parlé presque le même discours l'année dernière, surtout dans ce point-là, et il y a parmi nous qui était vraiment le Ramadan de l'année dernière, ça a été parmi eux, c'était le dernier Ramadan de leur vie. Ils n'avaient pas planifié ça. On l'avait dit entre nous que chacun de nous doit prendre cette décision pour avoir le courage et donc profiter de dire si c'est le dernier Ramadan, je veux profiter au maximum. Alors, c'est comme ça, Ahbab al-Karam, on peut cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le Nabi sur ce mécan, il dit lana, i'amalu al-khayra dahrakum kullahu. Wa ta'arradu li nafahatillah. Fa inna lillahi nafahatin yusibu biha man yasha'u min ibadi. Wa shaqiyu man hurima rahmatullahi, comme a dit le Nabi sur ce mécan. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, essayez de faire du bien durant toute votre vie. Mais accueillez les grâces de Dieu, les périodes de Dieu subhanahu wa ta'ala, multipliez les grâces et sa misère. Accueillez ces grâces avec vigilance et avec importance. Parce que malheureusement, le malheureux, c'est celui qui rate les grâces de Dieu subhanahu wa ta'ala. Quand on passe à côté, on s'en rend compte que c'était malheureusement. J'avais passé à côté de cette occasion et je n'ai pas profité. Et dans le Ramadan, Ahbab al-Karam, il faut que nous nous préparions de la partie nafsiya et de la partie al-tarbawiya d'un côté et aussi de la partie al-fiqhiya d'un côté. Nous savons comment nous allons et quelle est la situation que nous allons faire. Nous allons passer aujourd'hui à la hadith sur ce maqsad. Comment nous préparons tarbawiya. وهذا المقصد الأول الذي جاء به القرآن حتى في الترتيب القرآني جاء الجانب الأول هو هذا في قوله سبحانه وتعالى من سورة البقرة الآية 183 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فبدأ بلعلكم يعني لتحققوا التقوى عن طريق رمضان أيام معدودة ثم جاء بالفقه فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو فعدة من أيام أخر وهكذا. بدأ الله سبحانه وتعالى بالجانب الروحي والجانب التربوي الذي ينبغي أن نجتهد لتحقيقه. Alors à travers le Coran, on voit cette stratégie coranique où Allah سبحانه وتعالى a commencé avec le premier objectif, c'est le Ramadan. Il a été prescrit afin d'atteindre la piété. Dans le verset 183, le chapitre 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Eux, ceux qui ont gradué, on vous a prescrit le mois du jeûne comme il a été prescrit aux nations avant vous, afin d'atteindre la piété. » Les 10 jours déterminés, 29 ou 30, et après et le Coran rentre dans la théologie. Celui qui est malade, celui qui est en voyage et ainsi de suite, ça on en parlera la semaine prochaine. Alors ce qui est important à savoir que le Ramadan, ce n'est pas une punition, c'est une adoration. Et une adoration qui garantit la piété à celui qui a accueilli le Ramadan avec cet esprit. C'est pour que je m'inscris parmi les mutaqin, les pieux et les pieuses. Mon objectif, c'est avant la fin du Ramadan, Dieu m'inscrit parmi la liste de ces pieux. C'est ça l'objectif. Alors, il faut fournir l'effort. Pourquoi? Parce que c'est quelques jours déterminés. 29 ou 30, ça passe vite. Et après, si je n'ai pas atteint l'objectif, malheureusement, c'est une perte. Et là, les catalyphones, le hadith, le livre, et puis, le manoukourou, il y a un livre, 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 il وارتقى الثانية فقال أمين وارتقى الثالثة فقال أمين فقال له الصحابة في ذلك فقال جاءني جبريل لما ارتقيت الدرجة الأولى فقال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما
ولم يدخل الجنة فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. وارتقيت الدرج الثاني فقال يا محمد من أدركه رمضان ولم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. وارتقيت الدرج الثالث فقال يا محمد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فأبعده الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فقل آمين. فقلت آمين. Un jour, le prophète il est venu pour prêcher le vendredi, il a fait quelque chose d'étrange. Quand il a monté la première marche, il a dit Amin. Il a monté la deuxième marche, il a dit Amin. Il a monté la troisième marche, il a dit Amin. Hein? Les compagnons, ils ont vu qu'il n'a jamais fait ça, le prophète, durant les précédents prêches. Et après la prière, l'homme du prophète dit, c'est quoi les trois Amin que tu avais prononcés en montant les marches de Minbar? Il a dit, c'est Jibril qui est venu quand j'ai monté la première marche. Il a dit, oh Mohamed, que celui qui a la chance de vivre avec ses deux parents, ou bien l'un des deux, au moment où ils ont besoin de son service, il les a trahis, il n'a pas été à leur service, ça veut dire qu'il n'a pas atteint la grâce et le paradis à travers leur service, que Dieu l'éloigne, il dit Amin, j'ai dit Amin. Ça, c'est la relation avec les parents. Et quand j'ai monté la troisième marche, il a dit, oh Mohamed, que celui qui a la chance de vivre tout le mois du Ramadan sans atteindre le succès et le pardon de Dieu à travers le Ramadan, que Dieu l'éloigne. Dis Amin, j'ai dit Amin. Et quand j'ai monté la troisième marche, il a dit, oh Mohamed, que celui qui a entendu ton prénom sans te saluer, que Dieu l'éloigne. Allahumma salli wa sallim baraka ala sayyidina Muhammad. Alors quand on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième marche. Quand la personne, Dieu subhanahu wa ta'ala, a prolongé sa vie, et t'a jeûné tout le mois du jeûne, et ta vie n'a pas changé, ton système de vivre n'a pas changé, ta foi n'a pas changé, ton mode de vie n'a pas changé, le ramadan, c'est comme Shawwal, c'est comme Dhulqa'da, c'est comme janvier, c'est comme février, c'est comme août, la même chose. Alors, Jibril dit que Dieu t'éloigne et le prophète dit Amin. C'est à toi de choisir entre l'invocation de Jibril et la confirmation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Amin. Ce qui veut dire que le ramadan, il ne doit pas être un mois comme les autres mois. Le ramadan, il ne doit pas être accueilli comme n'importe moi, comme n'importe qui. Le ramadan, c'est une école. C'est pas seulement de s'abstenir, de manger et de boire, et de la relation intime avec son épouse, mais aussi de prendre une décision, de changer sa vie. De prendre une décision, de commencer avec la première chose, c'est de relier cette relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as? اختار الله شهر رمضان لينزل القرآن. لم ينزل القرآن إلا في شهر رمضان من سدرة المنتهى إلى السماء الدنيا. pour ça Allah سبحانه وتعالى a choisi le mois du Ramadan pour révéler le Coran. Et la seule voie qui nous emmène vers Dieu, c'est le Coran. Celui qui cherche une autre voie à part le Coran pour cheminer vers Dieu, il trompe le chemin. C'est pour ça Allah nous fait aussi signe شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois du Ramadan durant lequel Dieu subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran pour guider les gens, afin de guider les gens et distinguer entre le mal et le bien. Quand le Ramadan arrive, je dois chercher cette guidance. Je dois distinguer entre ma vie qui n'a pas de sens et une vie qui doit avoir un sens. Parce que je ne veux pas s'abstenir de boire et de manger, des choses naturelles, des besoins du corps, mais ma vie ne change pas au niveau spirituel. Ma vie ne change pas au niveau d'éthique, au niveau de moralité. Ma vie ne change pas au niveau de ma relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala en général. Alors le ramadan, il est venu seulement pour nous aider. Pour nous aider à vraiment demeurer le droit chemin. Et celui qui est déjà sur le droit chemin, à rester vraiment demeurer le droit chemin, hein, beaucoup plus. Parce que Al-Kamal ou Lillah, personne parmi nous ne peut prétendre que ça y est, lui, il a complété la foi. Il n'a plus besoin du ramadan, ou bien ramadan c'est une simple étape. Non. On commet tous des erreurs. On fait tous
Et c'est pour ça que le ramadan, il vient chaque fois pour nous remettre dans le vrai chemin, et pour nous remettre en question, et pour nous... Il est là que tu sais. Ramadan, dans son définition linguistique, c'est l'imsak, mutlaq l'imsak. La définition linguistique du ramadan, c'est s'abstenir. S'abstenir de ne pas faire quelque chose, dans la langue arabe, c'est, on dit lui, il a jeûné de ne pas voyager. Il a jeûné de ne pas dormir. Il a jeûné de ne pas... C'est ça, s'abstenir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Maryam, alayhi salam, fi sourati Maryam, فَكُلِي وَشَرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. مريم أي صوم ندر ليس الأكل والشرب، لأن قال لها فكلي واشربي وهي نفساء لن تصوم في حالة النفاس، إنما الصوم الذي أمر الله بها مريم وندرت وأن لا تتكلم فصامت عن الكلام فسميت صائمة عن الكلام، فهو الصيام مطلق الإمساك. وفي الشرع والإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله، ليس بنية. قد يمسك الإنسان عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن ليس بنية التعبد، بنية أخرى. إذا لابد من إضافة ذلك. Alors, le jeûne, quand on comprend la définition du jeûne dans la linguistique, que c'est s'abstenir de ne pas faire telle chose. À titre d'exemple, le verset 26 du chapitre Marie, où Allah subhanahu wa ta'ala, quand Marie a enfanté Isa alayhi salam, son père bien évidemment, c'est un miracle de Dieu, Allah il lui a dit Fakouli, mange et bois. Et quand tu rencontres, et réjouis-toi, et quand tu rencontres quelqu'un, dis-lui que j'ai voué un Seigneur de ne pas parler. Parce que ici, le fait qu'il s'abstient, qu'il ne parle pas, c'est un signe. Parce que ce n'est pas elle qui va répondre à la question qui va lui être posée. D'où tu as eu cet enfant? C'est cet enfant qui va répondre. Alors Marie, il doit se taire. Et le fait qu'il se tait, il s'appelle, il a jeûné de ne pas parler. C'est ça le terme, jeûner. Mais dans le shara, dans la théologie musulmane, la définition du jeûne, c'est de s'abstenir, de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas avoir des rapports intimes de l'homme jusqu'au coucher du soleil à l'intention d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas l'intention de faire du régime. Parce qu'il y en a qui font le régime. Ouais. Alors, si le fait tu es capable de s'abstenir, de ne pas boire, et ton corps n'est pas réclamé, c'est un besoin naturel. Hein? L'eau, c'est un besoin naturel pour le corps. La nourriture, c'est un besoin naturel pour le corps. Mais malgré ça, le ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a لقد نفخت في أبيكم روحا سارية فيكم إلى آخر واحد من ولد آدم لو أدركتم سرها لعلمتم أن نفوسكم المتقية هي التي ستقودكم إلى النجاة وليس أجسادكم التي لا تبحث إلا عن الشهوات. Qui veut dire que à travers le jeûne, Allah nous montre qu'on a un secret, qu'on a une force au fond de nous. C'était le souffle qu'il avait soufflé à notre père Adam, et ce souffle-là est partagé au fils d'Adam jusqu'à la dernière personne qui va être enfantée parmi les fils d'Adam. Si on arrive à développer ce souffle qui est nafs, qui est la foi, qui est ruh, parce que c'est à travers cette âme et cet esprit, j'arrive à dire à mon corps, t'as besoin de boire mais je te donne pas à boire. T'as besoin de manger, mais je ne te donne pas à manger, parce que c'est plus le côté matériel qui domine pendant le ramadan, c'est le côté spirituel qui domine. Voilà la force qu'on découvre pendant le ramadan. L'imam Al-Qayyim s'appelle l'irada. L'imam Al-Qayyim, il a nommé la volonté. Le ramadan, on récupère notre volonté. Pendant les 11 mois, dès que tu as soif, tu bois. Dès que tu as faim, tu manges. Et parfois, tu bois à l'excès. Et parfois, tu manges à l'excès. Quand le ramadan arrive, il te dit, même s'il fait chaud, et le fraîche est dans le réfrigérateur. Et personne ne m'a vu parmi les êtres. Dieu, il me voit. Mais quand la foi est dégradée, même Dieu, on ne le prend pas en compte. Mais quand même, quand je jeûne, je maîtrise mon cas.
Ce qui veut dire que même ce qui est halal, je ne consomme pas. Pourquoi ? Là, je développe ce côté qui est caché en nous. Je le développe. Vous avez imaginé ? Moi, j'appelle toujours, le ramadan, c'est une école qui est très importante pour arrêter de faire beaucoup de bêtises. Et parmi les bêtises, la cigarette. Dehors, le ramadan, tu trouves la personne, au bout de 2 heures, celui qui fume, qu'Allah a guéri tout le monde, il ne peut pas supporter. Au bout de 2 heures, sa tête, il veut s'exploser. Pendant le ramadan, 18 heures, il résiste. 18 heures, il résiste. Il ne pose jamais la question. Apparemment, j'ai une force au fond de moi qui résiste. Je continue à résister. Le ramadan, c'est une école pour arrêter carrément cette maladie. Parce que si tu es capable de résister, de ne pas boire et de ne pas manger, tu seras capable de résister, de ne pas fumer. Parce qu'apparemment, fumer, ce n'est pas un besoin du corps. Tu l'as contaminé seulement. Alors, je suis capable de le guérir. Le ramadan, il vient alors pour atteindre cet objectif en nous. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أما بعد جاء رمضان كذلك أحباب الكرام يعلمنا كذلك الجانب الخلقي فينا في الكلام وفي المعاملات وفي ليس فقط الجانب العطش والجوع لا أحباب الكرام ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صام من ظل يأكل لحوم الناس وإن سابه أحد أو الصيام جنة إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Alors aussi le jeûne c'est aussi de s'abstenir des mauvaises choses. Le ramadan vient aussi pour nous éduquer, pour qu'on puisse revenir à cette moralité générale de l'islam qui est la douceur, qui est pousser le mal avec le bien, qui est, même si quelqu'un te provoque, comme dans le hadith, le prophète dit, et le ramadan c'est un bouclier, c'est une protection, si quelqu'un te provoque, t'appelle à se battre avec lui, ou bien t'embête, ou bien dis-lui je jeûne, je ne réponds pas à tes provocations. Et le prophète nous dit, il n'a pas jeûné celui qui a passé toute la journée à parler derrière les gens. Le mensonge et la calomnie est passé le temps. Alors le ramadan, c'est le karam, j'a amin had al janib, pour qu'on puisse se maîtriser. Garder, maîtriser sa rage, sa colère. On ne répond plus comme ça. C'est ça, Ahbab Karam, le sens. Ce n'est pas seulement de faire une grève de faim et une grève de soif. Non, pas du tout. Ramadan est venu pour qu'on puisse être comme des anges. Pendant la nuit, on partage avec les gens, les anges, cette qualité. Pendant la journée, on partage avec les gens, les anges, cette qualité. Les anges, ils n'ont pas besoin de boire et de manger et de rapports intimes de nature. Et d'ailleurs, quand il y a un peu de Inna Allah a khalaq al-khalaiqa arba'an. Allah a créé ses créatures en 3 ou 4 sortes. Fa khalaq al-malaiqa fa naza'a minhum shahwat wa a'tahum al-aql. Fa m'la yatanakahoun, la yatanasaloun, la yakulun, la yashraboun. Wa khalaq al-insa wal-jinn فأعطاهم الشهوات والعقل فهم يفكرون ومسؤولون ويتناكحون ويتناسلون وخلق الحيوان فنزع له العقل وأعطاه الشهوات فيتكاثرون ويتناسلون بدون نظام ويأكلون بدون نظام لأنهم يحتاجهم للبرودكسيون وخلق الجماد فسخره للإنسان فخلق البحار والجبال والشجر والحجر والوبر فسخره للإنسان والعاقل في الإنسان من قدم عقله على شهواته فهو عند الله أحسن من بعض الملائكة والخاسر في الإنسان من قدم شهواته على عقله فهو عند الله أحط من البهائم. هذا الكلام من الغزة. Alors certains disent qu'Allah a créé ces créatures en 4 sortes. Il a créé les anges, il leur a enlevé tout ce qui est loisir, il leur a donné seulement la raison. Les anges, ils n'ont pas besoin de manger, ni de boire, ni de dormir. Ils ont une raison avec laquelle ils adorent Dieu, jour et nuit. Ils ne se trompent pas. Il a créé les êtres humains et les djinns, il leur a donné la raison et les loisirs, les sentiments et ainsi de suite.
et ils ont besoin de bideux. Il a créé les bêtes, les bestiaux, et il leur a donné que les loisirs. Il ne leur a pas donné la raison. Pour ça, ils se produisent. Un animal, pour qu'il se produise, il peut se produire avec sa propre maman. Et c'est pas ce qui l'a mis au monde. L'essentiel qui se produit. Il mange infiniment. Quand on donne à une vache, allez, à manger, il va manger toute la journée. Parce que il faut qu'ils ils ont pas de limite. Et la quatrième, il a créé la nature, la mer, les montagnes, le ciel, tout ça. Et il a assujetté ça à l'être humain. Et parmi les êtres humains, regardez la sagesse, il y a. Parmi les êtres humains, le meilleur parmi eux, c'est celui qui devance toujours sa raison, devant ses loisirs. Il est auprès de Dieu mieux que certains anges. Et le pire parmi les êtres humains, c'est celui qui devance toujours ses loisirs par rapport à sa raison. Il est pire que des animaux. Et c'est là où Dieu subhanahu wa ta'ala dit « Oulaïka kal an'ami bal hum adal » Ceux qui ne maîtrisent pas ce que le Coran leur dit, et ceux qui n'ont pas un temps pour Dieu dans leur vie, ceux-là, ils sont pires que les bestiaux, parce qu'ils vivent pour se produire, pardon. Ils vivent pour manger et se produire. Et ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'équilibrer le côté matériel et le côté spirituel. Et le côté matériel est le domaine durant toute l'année. Le côté spirituel y intervient pendant le ramadan pour découvrir la force de ce côté-là. Les aimés de Dieu, les élus de Dieu, ils ont arrivé avec cette maîtrise. L'islam ne nous empêche pas d'équilibrer entre le côté matériel et le côté spirituel. Mais l'islam nous interdit que le côté spirituel domine au point qu'il gâche la vie de la personne, ou le côté matériel domine au point qu'il gâche la spiritualité de la personne. Le vrai croyant, c'est celui qui s'envole vers Dieu avec les deux. Même le côté matériel, on peut l'exploiter pour qu'il devienne une adoration. Si je suis en bonne santé, j'utilise ma bonne santé pour l'adoration, pour être au service d'autrui, pour travailler, pour ainsi de suite. C'est là l'objectif. Et aussi, j'ai une foi qui ne sera jamais complète, parce que la seule foi qui est complète, c'est celle des anges et des prophètes, mais la nôtre, il monte et il descend, alors le ramadan, il est venu pour m'aider à monter cette... Kedalika Ahbab Karam, Kedalika Ramadan. Le côté social. Le ramadan est venu aussi pour établir ce côté social. Le prophète, il était tout le temps généreux. Mais il est beaucoup plus généreux pendant le ramadan. Comme le vent qui souffle. Ça veut dire le vent qui souffle, les nuages et les nuages qui ramènent la pluie. C'est ça le sens. Alors aussi, cette relation sociale. Avec les gens, le ramadan vient, comme je dis, donnez à vos voisins qui ne sont pas musulmans, qui goûtent de votre nourriture. Donnez aussi pour construire les mosquées de Dieu subhanahu wa ta'ala sur la terre. Donnez de votre temps, donnez de votre énergie, donnez de votre savoir, donnez de votre service. Tout ça pendant le ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les œuvres pendant le ramadan plus que les autres mois. Ne serait-ce qu'un exemple, les ulama qassou alayhi, ils ont fait un raisonnement analogique. Umra fi ramadan, ta'dilu hajja ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Al-umra, pendant le ramadan, équivalent à un pèlerinage avec le prophète. Ce qui veut dire que la prière est pareille, l'aumône est pareille, le service est pareil, la bonne parole est pareille, la science est pareille. C'est la même chose. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi, toutes les œuvres que l'être humain, que le serviteur de Dieu peut faire ici-bas, il peut connaître la récompense. La prière 25 et ainsi de suite. À part le jeûne, nul connaît la récompense que Dieu subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il a laissé sa boisson et sa nourriture, malgré que c'est ses besoins naturels du corps, pour moi. Alors c'est moi le seul qui est capable de le récompenser. As-salamu alayhi al-qadim. Al-fiqhana li siyami ramadan.
وقيامه فيما يرضي. اللهم ارحم الرشاد والسداد وفصل الخطاب وهدى علينا هذا الشهر يا رب العالمين باليمن والأمان والسلامة والإسلام. وفقنا لصيامه، وفقنا لقيامه، وفقنا للالتزام بشرعك به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب اجعله سببا لوحدة المسلمين، وألف قلوبهم على الحق والدين. اللهم يا رب إنا نسألك أن تجعلنا فيه من المباركين، اللهم اجعلنا فيه من المستغلين له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب ما قسمته في شهر رمضان من الخيرات والبركات اجعلنا فيه الحد الأوفر، ما قسمت به من غير ذلك يا ذا الجلال والإكرام فباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا رب اجمع شهاداتنا وألف قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم يا رب بارك للمنفقين في أموالهم، اللهم اخلفهم خلفا حسنا، اللهم يا رب احفظهم في ذريتهم، اللهم سلنا الدعاء الشفاء لأهلي ودوي، اللهم شافي مرضاهم يا رب العالمين وعافي مبتلاهم وبارك لهم في تجارتهم واهدي أولادهم واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين المصلحين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين وعافي الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت صلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى واعتدلوا رحمكم الله، تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.